Encore une personne de plus qui vient de s'ajouter à la grande famille musulmane du Gabon et en particulier celle de Panza, village situé dans la province de l'Anyanga. Cet homme, qui se prénomme désormais Mohamed, auteur d'une grande famille, vient de dire oui à la foi islamique. C'est devant sa famille, constituée de ses enfants et petits-enfants, et en présence des frères dont la foi, qu'il a tenu à matérialiser son appartenance à l'islam. Une satisfaction totale pour ses fils, fait avant pratiquants de la foi islamique qui ont longtemps espéré ce moment. Je suis très ému et très content de ce que je viens de vivre ce soir avec la conversion de mon père. Lorsqu'il m'avait appelé il y a cela plus de 5 mois, me disant qu'il voulait se convertir à l'islam, j'avais été un peu dubitatif. Quelques semaines, une semaine ou 2 semaines par là, il m'a rappelé pour réitérer justement son souhait de se convertir à l'islam. Il s'est converti à l'islam. C'est une joie inouïe qu'on ne saurait traduire dans les mots parce que ça dépasse justement, on va dire, le langage humain. Content de la décision que mon père a eue à prendre. Donc, Allah lui garde tous les jours de sa vie. Une joie également partagée par ce qu'il appellera désormais ses frères. Vraiment, je suis très, très content. Et en même temps aussi, très, très ému de cette conversion. Vraiment, les mots même me manquent pour définir la joie que je porte en ce moment dans mon cœur. Nous avons assisté vraiment avec joie, avec gaieté, à cette conversion. Et nous demandons à Allah de faire plus que ça pour que le village Panza ait plus de musulmans. Cette conversion de plus témoigne de la présence de l'islam, même dans les coins les plus reculés du pays.